La Cinémathèque suisse, elle est équipée depuis 2019 d'un laboratoire qui lui permet de numériser et de restaurer les films de ses collections. Cette numérisation et restauration a été faite donc dans le cadre d'un grand projet de restauration des films de Gisèle et Nagan Sorge. Tout d'abord, il y a eu un état des lieux des différentes bobines qu'on avait sur le film. Et puis ensuite, on numérise les bobines, on les monte entre elles, on fait la synchronisation, puis l'étalonnage, du coup, qui est le travail des couleurs. L'étalonnage, ça consiste vraiment à retrouver le look en fait, du film d'origine. Et par rapport à la copie de référence, on va faire le travail donc des contrastes, des couleurs, etc., plan par plan. Si effectivement il y a des défauts qui étaient présents sur la copie, qui sont dus au tournage, on va les préserver également. Les défauts du temps, en revanche, ils vont être supprimés. On va essayer de restaurer cette partie-là. On va enlever les pétouilles, les rayures, des taches, ce genre de choses. Tout ça dans le but de pouvoir présenter à nouveau la copie comme si elle avait été montrée la première fois.